go. Do not beg, don't be shy. Do not lie, do not cry. Do not shout, do not do it, never do it. Please don't let the boss. For you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I can't. I mean, it was just supposed to be that one time, and I... Anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studios. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. What? He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh, yeah, because of the... Deadpool! Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course! The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius, just genius! So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour la vidéo test du jeu le plus what the fuck de l'année 2013. Ce gratte les couilles avec son flingue, mais c'est pas vrai quoi. Et du coup, c'est bon, voilà, c'est la vidéo test du jeu Deadpool, voilà, l'un des héros Marvel, enfin mon héros préféré de la série Marvel. Voilà, c'est un test auquel je tenais tout particulièrement à faire. Voilà, je sais que enfin, j'ai déjà fait la première mission manière de battre paumé. Donc voilà, je vais revivre avec vous cette première mission et je vais être sincère avec vous, je n'ai jamais autant rigolé de toute ma vie devant un jeu vidéo comme ça. C'est vraiment, enfin, voilà, vous voyez, la touche L2 c'est pour interagir, voilà, pour faire ta chienne quoi. Non, mais même dans les dialogues, c'est vraiment impressionnant. Bon, tout au long du jeu, je vais vous montrer les différentes phases du jeu que nous offre Deadpool, mais en même temps, je vais aussi vous préciser de quoi il en retourne, qui est Deadpool pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, Deadpool, c'est un jeu qui est édité par Activision, développé par 8 Moon Studio. Il sort le 28 juin 2013. Et voilà, déjà première interaction avec les toilettes, voilà, tu peux faire croix pour couler un bronze. Pour tuer les germes. Bah, du coup, c'est vraiment... Je vais juste vous montrer cette phase, mais voilà, quand je vous dis qu'il est négocié au moins 18 ans, vous voyez, en fait, il met une page de censure. Voilà. Ça, ça me parle. Genre, c'est plus réaliste. Mon dieu, mais que c'est con, c'est... On se croirait dans les sites. Oh mon dieu. J'adore celle qui fonctionne. Mon dieu, putain. Mais je vous jure, tout le jeu c'est comme ça, mais ils se sont vraiment pas pris au sérieux. Enfin, bon, tu vas quand même te laver les mains parce que sinon c'est pas cool quoi. Donc voilà, tout au long du jeu vous allez voir ce qui vous attend, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous parler justement pourquoi il a cette tête comme ça, je vais vous expliquer un peu Deadpool parce que je sais que c'est un héros quand même qui a pas été trop mis en avant, que ce soit dans le jeu vidéo, nous l'avons eu dans certaines apparitions de par exemple. Les Marvel vs Capcom, où est-ce qu'on pouvait l'incarner, on voyait déjà à quel point il était timbré. Bon, on peut faire une interaction vite fait avec Internet, que vous voyez ce qu'il dit, en fait, c'est vraiment... C'est stupide, en fait, c'est... On s'arrête vraiment pas, voilà. Vous savez pourquoi j'adore Internet? Parce que c'est comme moi, vulgaire, agressif, contradictoire. Enfin bref, il adore regarder des vidéos... très orienté sur
sur le cul, etc. Enfin bref, bon, je vais plutôt vous aller directement à la phase de gameplay parce que c'est du n'importe quoi ce jeu. Oui, voilà. Je préfère carrément utiliser ça, visiblement. Mon dieu, mon dieu. Donc voilà, Deadpool, donc c'est l'histoire en fait de sa véritable identité qui s'appelle. Ben, passe, s'il te plaît, voilà. Wade Wilson, voilà, c'est à la base, c'était un tueur pour la CIA. Oui, donc, enfin, voilà, on sonnait à ma porte depuis tout à l'heure. Tu veux vraiment quitter l'appartement? Donc voilà. Ouais, je veux buter des trucs. Non, je préfère jouer avec mes trucs. Ok. Enfin bref, bon, allez. Qu'on ne perde pas plus de temps. J'aime pas qui pour vous, moi aussi. Donc voilà. Vous avez l'impression que Deadpool s'adresse à vous durant la vidéo. Donc justement, je vais vous expliquer car c'est l'un des seuls héros Marvel qui sait qu'il est dans une BD en fait. Vous voyez les interactions qu'il y a, c'est vraiment du n'importe quoi, quoi. Voilà, il va dire voilà ce qu'il y a dans son script, ce que lui doit faire, voilà, parce qu'il sait que un jeu vidéo va porter carrément sur lui, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, voilà. Deadpool sait qu'il est dans une BD, donc il y aura souvent des interactions carrément avec vous. Voilà, c'est du n'importe quoi. Donc pour en revenir à mon histoire, voilà, Deadpool c'était un tueur pour la CIA, sachant voilà, d'où ses aptitudes, etc. Donc là on a vite fait une phase de gameplay pour regarder de quoi il s'agit. Nous avons bien sûr les flingues, ces katanas, j'ai récupéré des grenades qu'apparemment je peux réutiliser, je les avais déjà débloquées une fois. Double saut avec croix, rond qui est sa téléportation. Bon voilà, petite précision, il n'a pas le pouvoir de la téléportation comparé à ce que pourraient dire certains. C'est un appareil uniquement qui lui permet de se téléporter, voilà, qui est situé au niveau de sa ceinture en fait. Voilà, parce que beaucoup de gens pensaient, non, il n'a uniquement que le pouvoir de régénération. Donc, je vais vous expliquer comment il a eu ça tout simplement. Voilà, sachant qu'il allait mourir, il s'est porté comme cobaye pour le projet de l'arme X. Voilà, on allait faire des expériences sur lui, ça a complètement raté. Ah, mais voilà, c'est une première phase de gameplay. Je vous montre vite fait les flingues par exemple. Voilà, je sais que j'ai débloqué L2CC pour reloader. Je sais que j'ai débloqué les fusils à pompe. Vous allez voir le carnage que ça fait. Voilà, je t'arrache les membres. C'est du nawak total. Enfin, voilà. Enfin bref. Donc voilà, sachant qu'il allait mourir avec de nombreuses tumeurs, etc., il s'est porté volontaire, comme je vous ai dit. L'expérience a raté, considérée comme un gros rebut, une expérience ratée. Il va dans le département où est-ce qu'il a en fait passé ses tests, qui est le département K canadien. Là oui voilà, on me demande de faire rond au-dessus des personnes, c'est pour pouvoir faire en fait plus directement une esquive et directement les contrer de suite en fait. Voilà. C'est bon, voilà, parce que ce jeu me perturbe tellement, j'ai vraiment du mal à vous parler en même temps, parce que vous allez voir ce qui vous attend. C'est un truc de malade, quoi. Voilà. Je vais interagir, c'est quoi déjà? Savoir ce qui m'attend. Oui, voilà, c'est le château gonflable. Oui, voilà. Alors pourquoi le château gonflable? Vous allez voir, voilà, ça mettra fin à ma vidéo quand je reviendrai à cet endroit. Mon dieu, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, voilà, je pensais avoir vu vraiment tout ce qui peut être n'importe quoi dans ma vie avec Saints Row The Third, mais je vois qu'en fait c'est du pipi de chat au Saints Row comparé à tout ça. Donc voilà, enfin, vous allez voir encore. Donc comme je vous ai dit, voilà, il était dans le département K canadien dans le projet de l'arme X, mais finalement, voilà, après que ça a échoué, le docteur Kilbrew, par pur sadisme, lui a injecté le pouvoir d'auto-guérison, un petit peu à la Wolverine, pardon. On ne subit pas de dégâts en cas de chute, donc lâche-toi, voilà, on se retrouve, on dirait un peu du Devil May Cry, quoi, pas de dégâts de chute et tout, c'est sympa. Nous filons-nous discrètement. Alors. Oui, allons-y. Que fait-il? Appuie sur triangle ou R1. Ouais, vous voyez, il nous fait même chute, c'est du n'importe quoi. Oh. Oh mon dieu, le pauvre. Oh mon dieu. C'est horrible. C'est dégueulasse.
C'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin bon, plusieurs points à rattraper, voilà, enfin, des petits symboles, ça vous permettra d'améliorer vos armes. Du coup, voilà, avec la touche Select, vous avez un menu, un panel pour pouvoir améliorer tout ça, trouver de nouvelles techniques carrément. Augmenter la cadence de tir, ça demande 10 000 et j'ai 25 000, allez hop, on se lâche. 2 balles de plus d'un chargeur, il n'y a pas un combo, voilà, par exemple, ça me demande 50 000, par contre, c'est pas assez. On va attendre un peu. Voilà, ça nous demande ce qu'on appelle du momentum, ça se charge, c'est à gauche, en dessous de mes grenades, vous allez le voir, au fur et à mesure, il faudra des combos différents. Donc voilà, je vais quand même essayer de finir mon histoire. Voilà, le docteur Kidbrew, donc du coup, il a mis un processus d'auto-guérison un petit peu à la Wolverine, mais même plus amélioré, bon, c'est-à-dire que voilà, il peut carrément perdre un membre, en fait. Je fais une référence à la BD de Deadpool, parce que voilà, mes références ne viennent directement que des BD, parce que je suis vraiment un gros fan de ce héros, je vais vous citer des événements qui sont passés dans les BD. Je vais pas vous citer, par exemple, des trucs comme on a pu le voir dans X-Men Origins Wolverine. Alors là, c'est une adaptation complètement fail de Deadpool. Non, putain, il se gratte le cul, quoi, mais c'est... Vois le truc, quoi. Enfin, donc voilà, la greffe de l'auto-guérison réussit, sauf que voilà, sa peau a eu un effet secondaire à ses arbres, en fait. Voilà, ça lui a fait cet effet qu'il a, cette peau craquelée avec des crevasses partout. Voilà, c'est assez dégueulasse. On se retrouve dans du X-Men Origins Wolverine comme dans le jeu parce que sa combinaison va avoir des dégâts au fur et à mesure qu'il va. Va se dégrader au fur et à mesure des dégâts qu'il va subir. Voilà, vas-y, fais-nous un peu de Ninja Gaiden, bien sûr. Voilà, on saute à travers. Voilà. L'agilité, sa force qui a été décuplée, voilà, parce qu'il a été génétiquement modifié. Ça, c'est à noter. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça... Attendez, voilà, on peut utiliser aussi la téléportation pour aller bien plus loin, ce que l'on voudrait. L'auto-guérison va à un point tel où est-ce que, par exemple, il dit, dans les BD, il a un humour très très noir, hein, franchement. Voilà, bien sûr, voilà, je fais tout péter au C4, hein, bien sûr. caca explosif, quoi. Le truc, c'est abusé. Enfin, voilà. Voilà ce qui arrive. Le C4 avec des burritos. Je suis pas le seul à faire. On s'en prend classé. Mon dieu, mon dieu. Mais que de lol. C'est génial. Enfin bref, enfin un peu de face gameplay. Ça me permettra aussi de vous expliquer le truc. J'en étais, oui, voilà, par exemple, il fait des blagues, genre, jamais ma main à couper, il va carrément se trancher la main, quoi, je vois, mais lui, ça lui fait absolument rien, il dit des fois, j'avais une idée au creux de la tête, je sais pas ce que c'est, il faut vraiment que je me creuse la tête, et là, avec son katana, il va carrément se le planter dans l'oreille, s'ouvrir la gueule, et il a dit, ah, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé, à quoi, enfin, ce que je pensais, voilà, donc, c'est vraiment décalé, c'est... Voilà, bref, le momentum, comme je vous en ai parlé, c'est une des attaques, par exemple, ça y est, qui vient de s'activer, une des trois, là, voilà, on l'affiche avec L2 plus une touche croix, carré, triangle, rond, voilà, vous en aurez 4, ça dépend avec les différentes armes que vous lui équiperez, au fur et à mesure du jeu, voilà. C'est vraiment assez, c'est un jeu bien bourrin, mais franchement, qui vous fait vraiment rire tout au long du jeu parce que c'est Deadpool, quoi. Voilà, c'est un humour méga décalé. On retrouve vraiment le personnage grandeur nature, quoi. Vraiment, celui qui a vraiment pas froid aux yeux. C'est un truc de malade. Où est-ce que je dois aller déjà? Oui, par là. Ce n'est que la première mission du jeu, donc du coup, voilà, je ne vous spoil pas tout le reste, vous verrez par vous-même, et franchement, c'est. C'est du n'importe quoi, tout simplement, n'importe quoi. Bref, on pourra en refaire un point sur ses pouvoirs. Voilà, il a la fameuse auto-guérison. Bouffe-toi ce coup de fusil à pompe. Les capacités, voilà, les sens, l'acuité qui est améliorée. Ah, vous voyez les dégâts qu'il y a sur sa combinaison. Une fois que j'aurai tué tout ce monde, je vais pouvoir vous montrer plus en détail la peau, comment il l'a derrière sa combinaison. Voilà, c'était à la base, donc du coup, que j'en revienne à la fin de ses pouvoirs, voilà, la petite téléportation dont je vous ai parlé, voilà, et tout ce qui s'ensuit avec sa mutation génétique. Donc il faut savoir que voilà, à l'origine, Deadpool, c'est un personnage de l'univers des X-Men,
Oh merde, oui, bah ouais, tu fais bien de le dire. Oh merde, oui. C'est. Voilà, il vient à l'origine des X-Men, plus particulièrement avec l'unité de la X-Force. Donc voilà, qu'est-ce que la X-Force? Je vais pas trop m'y attarder dessus. C'est une unité de mutants qui est dirigée par un mutant cyborg qui s'appelle Cable. Je sais qu'il est en guest star dedans, c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon voilà, d'après les vidéos que j'ai pu voir, etc., c'est le boss du jeu. Il y en a d'autres, j'en ai vu un boss assez zarbe, mais je crois que c'est un ennemi auquel on aura à faire face dans le jeu. Même si plus tard, voilà, ils deviennent amis et que voilà, il n'a pas vraiment Wolverine dans son cœur, voilà, ils seront encore amis. C'est une guest star aussi, ils auront affaire justement à Wolverine dans le jeu. Donc, ouais, bon, là, voilà, il m'explique comment faire des combos, etc. Oui, d'accord, c'est bien. Continuons. Voilà, lisez en dessous, et vous allez voir ce qu'il dit, c'est vraiment. Bon, c'est de la post-FR, donc voilà, pour les fans, voilà, ils vont me dire tant mieux, quoi. Putain, eux, ils sont super chiants. Ok, non, en fait, non, ils sont pas chiants. Voilà, c'est de la post-FR, donc on revient avec la bonne voix de Deadpool, quoi. C'est vraiment, vraiment stylé, quoi. C'est super. Sa vie se régénère au fur et à mesure, même voilà, dans la petite barre de vie que vous voyez en haut à gauche, parce qu'il a le processus de régénération. Ça, c'est un pouvoir qui lui appartient réellement. Et je disais donc, j'en reviens à la X-Force, qui est l'une un groupe des X-Men qui a été à la base conçu. Voilà, je vous en parle vite fait. Conçu par Charles Xavier, fondateur de l'Académie des X-Men. Vous devez tous le connaître, le chauve sur fauteuil roulant, si vous avez vu au moins un des X-Men, pardon. Mais voilà, petite précision dessus, à savoir, Charles Xavier peut être considéré comme un gentil et tout dans l'histoire, mais je vais quand même vous préciser quelque chose. Est-ce que j'ai rien oublié de mission? Non, il y a un membre, t'as oublié ton pied. Enfin. Il n'est pas si gentil qu'on peut le croire, parce que voilà, entre ceux qui sont vraiment fans des films, si vous avez vu X-Men Origins, où est-ce que Charles Xavier est encore jeune, et entre le temps avec le temps qui s'est déroulé entre X-Men 1 et X-Men Origins, vous verrez que Charles Xavier avait fait des choses assez quand même horribles, quoi. Vraiment, il était prêt à arriver à tout pour bon, que des mutants se fassent accepter dans la société, certes, mais franchement, il était prêt à tout. Notamment, il a créé la X-Force, mais. Ah oui, voilà. Là, il se met à chanter, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Ça vaut ta petite chanson. Voilà. Il a deux voix dans sa tête aussi. L'une plus mature que l'autre, si je puis dire. Qui est décrite avec un petit carré blanc. Et puis le carré version BD, comment ça s'appelle? C'est la voix un petit peu plus what the fuck du jeu, quoi. Là, j'ai des points à récupérer. Est-ce que j'en ai de l'autre côté? Je ne me rappelle plus. Non. Voilà. Notez bien le chemin par lequel je passe, parce que voilà, c'est ça durant juste la première mission. Voilà, pas non plus trop vous spoiler ce jeu. Donc voilà, j'en reviens encore, du coup, pour terminer mon chapitre sur la X-Force. Oula, tu vas devoir sauter pendant longtemps. Je me souviens plus de certains passages. Bon, à vrai dire, je l'ai fait qu'une seule fois aussi. Hop là, casse-toi, voilà. C'était à la base, donc du coup, un groupe qui était utilisé par Charles Xavier pour, en gros, c'était comment dire? Une troupe, un groupe suicide, quoi, qui était envoyé vraiment pour des missions suicides. Si il y avait des X-Men, enfin, pardon, des mutants qui étaient contre la vision de Charles Xavier, qui vraiment étaient destinés à rejoindre par exemple Magneto pour faire un côté méchant dans l'histoire, ben Charles Xavier envoyait cette troupe pour ben, carrément éliminer ces mutants. Voilà, il n'a pas hésité à déjà éliminer de nombreux mutants, et c'est lui-même qui donnait ses ordres. Voilà, ça vous fait part un petit peu du côté obscur de Xavier, qui a pu vous paraître toujours gentil, le mentor, la voix de la raison dans les films. Mais trompez-vous, dans les BD, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il a déjà eu sa part de. Son côté blague dans l'histoire, hein, vraiment, il a fait des choses
On pensait que Magneto c'était vraiment le méchant. Xavier est aussi apte à faire des choses comme Magneto, quoi. Voilà. Bref, j'ai mes grenades, je les ai même pas utilisées, je vais vous les montrer. R2 pour pouvoir enfin maintenir, vous voyez la trajectoire que prendra la grenade. Ce sont des grenades comment ça s'appelle, assourdissantes, donc ça vous permet directement d'aller de foncer dans le tas, quoi, après pour tous les tuer. Ah, j'ai pas fait mes autres momentum, donc je vais faire L2 carré pour vous montrer. Hop là, voilà. Et le L2 triangle, lui, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc je vais le faire devant. Je sais qu'il y aura un pseudo-boss qui va m'arriver vers la fin du jeu. Enfin, vers la fin de ma vidéo, juste pour la première mission. Vous voyez sa peau, vous voyez comment elle est. Assez dégueulasse. Donc voilà, je ferai ce fameux L1, L2 triangle, pardon, pour vous montrer. C'est vraiment du n'importe quoi, celui-là. Un gros freestyle qui nous attend. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, j'en finis avec mon chapitre sur la X-Force, quoi. Voilà, ce groupe, des BD en parlaient notamment de cette unité. Vous pouvez nous avoir, sont sortis en France, sont traduits en français, donc il y a pas de souci, quoi. Vous pouvez vraiment tout connaître sur l'histoire des mutants secondaires des X-Men, quoi. Voilà. Donc voilà, j'en finis avec cette parenthèse. Donc Deadpool, voilà, c'est des renforts qui arrivent. Oh, génial! Attends, des renforts. Voilà. Hop là! Donc voilà, Deadpool qui à la base voilà, vient de l'univers des X-Men, que l'on voit brièvement avec Spider-Man. Enfin, brièvement, il est même dans une BD avec lui. Deadpool apparaît dans une autre BD avec le capitaine de la X-Force, dans la fameuse BD Cable et Deadpool. Voilà, ça porte son nom, le nom de ces deux mutants. Voilà, après, bon, pour les fans, je dois que leur apprendre des choses qui sont déjà évidentes pour eux. Voilà, enfin, voilà, il faut quand même voilà, que vous sachiez d'où vient Deadpool, d'où vient cette arrogance, cet humour si décalé, cette personnalité si rocambolesque. Enfin voilà, c'est vraiment du nawak, vraiment. Enfin, bon allez, je suis pas censé vous le dire parce que je stoppe ma vidéo avant, mais voilà, je vais juste vous spoiler vite fait. Un moment d'une vidéo, hein, voilà, qui se passe. Il a affaire à une femme mutante. Vraiment, c'est aussi zarbi que lui, quoi. Et quand on la tue, ben, elle atterrit dans. Elle s'empale dans un tuyau en cuivre qui dépasse du sol. Donc voilà, le corps n'a pas touché le sol, donc elle reste empalée en gros dans les airs, quoi. Le corps n'a pas touché le sol. Et lui, il est tombé en même temps qu'elle, donc du coup, on voit sa vision comme s'il était au sol, quoi. Et hop là, un coup de momentum, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et donc ce jeu me perturbe, c'est affolant. On le voit en train de regarder son cadavre, justement, et de loin il ferme juste un œil, manière que sa main en fait soit plus grande que le corps de la femme qu'il observe. Et donc du coup avec sa main il fait genre comme si lui pressait les seins de loin en fait pour dire eh, voilà, j'avais oublié que je toucherais tes pectoraux, quelque des trucs comme ça, vraiment. L'humour vraiment du gros pervers de base, mais bon, enfin, voilà, on sait très bien que même son humour, ben, ce qu'il dit, même pour rigoler, ben, ça peut être vrai, quoi, s'il le désire, quoi. Voilà, enfin, c'est pas... Deadpool, c'est quelqu'un qu'on se méfie parce qu'il est assez, comment dire, on ne sait pas comment il peut réagir, voilà, il est très instable, voilà, c'est le mot qui peut caractériser Deadpool, tout simplement, hein. L'homme instable, voilà, c'est vraiment... C'est un héros à part entière, quoi. Voilà, et franchement, je suis vraiment content qu'ils aient fait un jeu que sur lui parce que c'est pour moi, c'est mon héros Marvel préféré. Attendez, voilà, vous voyez sa tête, c'est assez horrible. Et la combinaison qui se régénère au fur et à mesure, voilà, que des secondes passent, voilà, pour vous montrer qu'en gros sa vie remonte, du coup, sa combinaison, s'auto-reforme, voilà, si je puis dire, tout simplement. Voilà, donc pour en revenir à ce moment-là, voilà, il fait même une blague sur elle alors qu'elle est empalée, il fait « Ah, c'est dommage que tu
sont mortes, voilà, j'avais un bon tuyau à te filer, voilà, tuyau, dans l'occurrence, au tuyau, où est-ce que c'était emballé, il rigole bien, et la caméra recule, on quitte sa vision FPS, et lui aussi est emballé dans un même tuyau, et là il regarde, il fait, merde, moi aussi, enfin, voilà, mais que des conneries, mais comme il peut pas mourir, voilà, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, quoi, voilà. Et donc, du coup, on doit appuyer plein de fois sur rond pour pouvoir le faire s'enlever de ce fameux tuyau. Et il dit aïe aïe aïe, ça chatouille, s'adressant à nous. Enfin voilà, il y aura de nombreuses interactions entre le joueur et Deadpool. Voilà, pour dire à quel point c'est vraiment. C'est stupide, quoi, tout simplement. Voilà, c'est plein de moments vraiment rigolos, franchement, je vous assure. Enfin, voilà, il y aura 2-3 moments que vous allez voir durant la vidéo. D'ailleurs, vous avez pu le voir rien que le début, quoi. Depuis quand le jeu nous propose d'aller chier dans les cabinets, quoi, maintenant. Sérieusement, quoi. Oh là, va falloir que je me dépêche. Vous deux, vous permettez, merci. Voilà. Oh, oh merde. Oh, le gros fail, téléportation. Oui, voilà, au moins, vous pouvez réapparaître comme bon vous semble. Tant mieux. Oh, oh, voilà, arrive, c'est bon. C'est bon, qui a dit qu'il y avait un problème? Avec Deadpool, il n'y a pas de problème, tout simplement. Bon, j'en arrive enfin au sommet de ce putain d'immeuble. On va arriver discrètement. Mon dieu, cette démarche de malade qu'il a. C'est un truc de fou. C'est parti. Oh mon dieu. Mais voilà, mais en plus il te nargue devant la télé, quoi. Non mais qu'est-ce que c'est ce connerie. Voilà. On peut pas avoir ça ailleurs que dans un jeu que l'on aurait pu appeler Deadpool, justement. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui est magnifique. Voilà, l'univers déjanté de Marvel. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a encore des jeux what the fuck, quoi. Je vous ai dit, je pensais être habitué avec Saints Row The Third, et pourtant Dieu sait que Saints Row, c'est vraiment le côté. Autant Saints Row dans le 1 pouvait être un jeu assez sérieux comparé à un GTA-like, mais vraiment, là, faire carrément. Saints Row The Third, mais aussi décalé que ça, mais même moi, voilà, je pouvais vraiment pas m'y attendre, quoi. Mais là, voilà, Deadpool, je vous jure, hein, ouais, faut le dire, c'est du pipi de chat à côté, quoi. C'est de la grosse gnognotte, quoi. Voilà, je pensais vraiment. Bon, ok, il ne peut pas passer, c'est pas grave, voilà, parti. On va quand même essayer de le tuer, voilà. J'aimerais juste faire rond, voilà, pour pouvoir enfin les enchaîner. Voilà, il faut juste attendre ce moment pour se téléporter, voilà. Même les contres sont possibles, même devant des gros boss, hein, par exemple. Hein. C'est ça qui est cool. Là, par contre, être à proximité de Deadpool dans ce jeu, il faut pas. Surtout pas. Un hélicoptère. Ah oui, le fameux moment de l'hélico. Il fait quand même assez mal, l'hélico, donc il me fait un peu chier. On va se dépêcher. Voilà. On va les finir. Donc voilà, c'est un bon jeu bien bourrin qui reprend bien. Non, franchement, on retrouve du Deadpool tout craché. Pour ceux qui sont vraiment fans de ce héros. Ah, mais on peut pas voir sa gueule là, ici. Ah, vous voyez à quel point il est défoncé. Là, je me fais vraiment défoncer en parlant de défoncer. Cours un peu là, voilà, dépêche. Oh putain, plus de 23 de vie. Je vais attendre un peu pour voir si sa vie peut se régénérer. Plus 23. Oui, parfait, magnifique. Donc voilà, c'est un jeu franchement qui pourra vous aider parce que voilà, vous avez qu'à appuyer sur les touches analogiques pour ne pas être perdu durant le jeu, donc vous savez où est-ce qu'il faudra aller quoi qu'il arrive. Oh là, oh, ne t'excite pas non plus. Voilà, on va y arriver à l'hélico et là on va assister à un espèce de putain de combo. Je vous dis, pas quoi, c'est un truc de fou. Enfin, je vous dis pas, façon de parler. Allez, go 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 go, comme si on n'avait pas le temps. Allez, voilà. Vol ou meurt en soi, attends. Ah, perso, dans ces moments-là. Voilà, et là, tu dissèques du soldat, comme s'il en pleuvait. Voilà, combo x 5, retenez bien le nombre, ça dégomme. Voilà, c'est vraiment le jeu, what the fuck, on peut tout faire, on est vraiment. C'est limite un god mode, quoi. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes dieu dans le jeu, quoi. Il peut rien vous arriver. En parlant de, voilà, quand même, ça a l'air simple quand vous voyez ça, mais voilà, il y a différents modes de difficulté, bien entendu. La difficulté est forcément au rendez-vous quand vous choisissez le difficile. J'ai eu l'occasion de le tester, c'est quand même assez compliqué, voilà, même des ennemis vous contre, quoi. Donc, voilà, combo plus 83, voilà, on se demande comment des items à acheter en pressant select pour pouvoir s'améliorer. Bah, peuvent coûter 158 000 alors que voilà, à la fin d'une mission on se retrouve avec à peine 15 000. Et quand on fait un combo x 129 comme vous pouvez le voir à l'instant, x 130, enfin c'est un truc de malade, quoi. Donc là voilà, j'ai été touché, enfin
Voilà, et là ma vidéo se terminera au sommet de l'immeuble où il arrive. Voilà. Et on vole, on vole. Mais voilà, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Mon Dieu. Enfin, pour vous montrer, encore, je vous cite un exemple du décalage qu'il y a dans le jeu, même sur le CD. Je ne vous parle pas du boîtier, parce que le boîtier peut-être dit partout. Hein. Le CD représente une poêle sur le feu, et dessiné au milieu comment dire, assez pour faire des achats. Alors, voyons, est-ce que je peux peut-être acheter autre chose? Je ne sais pas, mes katanas vont pouvoir offrir autre chose. Fais signer tes ennemis en les frappant avec ton épée. Ouais, bon, allez, autant que je le mette. Ah ben encore du dégât, je peux encore? Non. Ok, là, 15 000, là, augmente. Ah, bon, voilà, on trouve bien. Bon, allez, je vais pas tout augmenter parce que voilà, je vais quand même le garder pour la suite du jeu. Je vais continuer en solo quand même. On peut changer les armes avec les touches directionnelles comme ils nous le disent. Et le fameux L2 qui est pour recharger. Bon, allez, c'est parti. Je termine là-dessus sur un gros boss. Voilà, et j'en reviens au CD pour vous expliquer à quel point il est vraiment what the fuck, quoi. Et sur cette poêle, il est dessiné, donc, en gros, sur le CD, comme je vous ai dit, une crêpe, hein, un pancake avec un pavé de beurre qui est en train de fondre dessus. Quoi. Voilà, non, mais quel est le rapport, quoi? Enfin, je vous dis, voilà, on se retrouve, si, comme si Deadpool se préparait un pancake dans son appartement tout crasseux. Voilà, pour ceux qui connaissent Deadpool, voilà, dédicace à eux, Hal n'y est pas, voilà, c'est une femme qui tient captive, enfin, une aveugle qui se confine et qui l'enferme dans la cave. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Voilà, elle n'y est pas, je ne l'ai pas vue dans l'appartement. Ah voilà le pseudo-boss sur lequel je vais finir ma vidéo, voilà, qui est déjà assez. C'est troublante, quoi, oui, voilà. On n'en ressort pas indemne d'un jeu comme ça. Voilà, ah oui, lui qui est fanat des grosses armes. Oui, on peut le prendre, oui. Allez, il est temps de faire le L de triangle, et voilà. Et on peut appuyer sur plein de fois triangle, et voilà, il fait de gros slides, oulala. Je l'ai défoncé. Voilà, il s'arrête, il est tout content. Hop, là, je vais pouvoir prendre l'arme, maintenir les deux. Et ça va chier des boules carrées, voilà. On va aller Gérard Majaxé, voilà, du nom du magicien, on va les faire disparaître. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ce n'est pas la seule arme. Oh, mais tiens, on va jouer tous les deux à envoie-moi des roquettes dans la gueule. Et donc, voilà, ce n'est pas la seule arme qui vous attend dans ce jeu, quoi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vous jure, hein, j'ai dû vous montrer 30% du jeu. Même pas. Donc, à vous après de vous faire vraiment une idée. Et on finit sur cette magnifique vidéo, donc voilà. Je déteste le système métrique, ça fait combien en bon américain? Enfin bon, je pose, je retiens, on s'en fout. Donc voilà, donc je vais poser un C4, on s'en branle. Non, j'en pose plusieurs, voilà. Ça fait tout péter. Ah ouais, c'était géant. Donc voilà, donc lui là, c'est le gars qu'on devait choper à la fin. Donc voilà, Deadpool n'y va pas par quatre chemins. Et il faut le taper, justement. Voilà. Donc, il s'adresse même à nous, taper plusieurs fois sur croix. Voilà. Il arrive un moment même où est-ce que Wolverine est dans le coma, il faut le baffer pour qu'il puisse se réveiller. Il se réveillera pas. Donc en fait, on peut le taper autant de fois qu'on veut. Et même Deadpool, à un moment, il dit désolé Wolverine, c'est le joueur qui me force à taper plein de fois. En fait. Regardez-le, le mec il a un chute libre, il en a rien à battre, il s'en bat les steaks, il sait qu'il est immortel, quoi. Voilà, d'où voilà, on revient à ce fameux château gonflable dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est vraiment du n'importe quoi. Ah, c'était fun! Ouais, c'était sympa, petit patata, bref, voilà. Vous voyez, enfin, c'est vraiment. Voilà. Donc, c'est la présentation, du coup, voilà, je finis sur cette petite présentation du jeu pour vous dire qu'en gros, c'était. L'épilogue d'entrée de ce jeu qui est vraiment génial. Franchement, vous adorez Marvel, vous adorez les super-héros, vous aimez vraiment le What the Fuck. Mais qu'est-ce que c'est cette image de merde, quoi? Mais enfin, voilà. Bon, mais écoutez, je pense que là, voilà, il parle encore son producteur, voilà, parce qu'il sait qu'on fait le jeu vidéo sur lui, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, mais voilà, ça c'est la femme qui va finir empalée derrière, là, et celle en verte qu'on va aussi flinguer dans le jeu. Enfin bref, voilà. Parle à mon cul, mais bon voilà. Dans la Vost, il dit talk to my dick. Donc voilà, on voit forcément qu'il met son portable devant ses couilles, quoi. Bref, voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'était la pseudo première mission du jeu pour vous présenter Deadpool.
J'espère que ce jeu vraiment what the fuck vous aura plu. Je vous conseille franchement de l'acheter si vous aimez vraiment du bourrin, de la facilité qui est au rendez-vous et franchement du Marvel qui revient en veux-tu en voilà. Enfin bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé. C'était la vidéo de présentation du jeu Deadpool. C'est n'importe quoi. Enfin, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une autre de mes vidéos. À ciao tout le monde. Mon Dieu, mon Dieu.